Bonjour à tous les passionnés de charcuterie. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit sauté de porc à base de jambon. Vous avez vu, je commence à le couper en petits dés. Et tout doucement, je commence à le faire revenir. Regardez. Alors là, il faut bien le marquer, hein, de façon à ce qu'on commence à faire arriver les sucs qui vont nous donner la caractéristique de notre plat. Donc, comme je vous le dis, des morceaux de 1 cm, 1 cm et demi, de façon à avoir déjà une portion avec, vous le voyez, des morceaux de maigre, puisqu'on est sur du jambon. Mais vous inquiétez pas, ça ne sera pas trop sec. Une plaque assez chaude, de façon à avoir des morceaux bien marqués. Et par la suite, on va rajouter un peu de vin blanc, ou alors éventuellement du vin rouge, suivant ce que vous souhaitez faire. Mais là, un petit peu de vin blanc, on est en été, on va faire quelque chose de plutôt léger. La cuisson se poursuit. Et je rajoute tomate, un bouquet garni avec origan, laurier, persil et thym. Une carotte coupée en rondelles. Je vais laisser mijoter pendant 2 heures. Entre-temps, j'aurai rajouté un peu de vin jusqu'à pouvoir couvrir mon plat qui va mijoter et 2 cuillères à soupe de farine afin de pouvoir épaissir ma sauce. Et voici notre petite merveille en fin de cuisson. Voilà, j'ai rajouté un tout petit peu de paprika, une boîte de champignons. Et après, 2 heures de cuisson, voilà, prêt à servir. Alors, plusieurs possibilités, soit avec du riz, soit avec des pâtes, et pourquoi pas quelques petites pommes de terre sautées. Voilà, bon appétit, à très bientôt les passionnés de la charcuterie pour une nouvelle petite recette.